Memphis Depay qui va rentrer. Tireur de la frappe. Oh, quel but. Oh, quel tireur but. De la frappe. Memphis Depay, héros de ce Lyon Paris Saint-Germain. Incroyable, 1-0, il est incroyable ce Juninho, c'est le meilleur tireur de coup franc de la planète. Bonsoir à tous, bienvenue dans un nouveau Let's Go au lendemain de ce merveilleux Montpellier Olympique Lyonnais. On va faire un petit tour de ce qui s'est passé hier soir. On va aussi parler du mercato, des possibles départs, des possibles arrivées. Et enfin, parler du match qui arrive, Lyon-Nîmes. Qu'est-ce qu'on doit faire pour réussir à gagner un match? Et voilà, on va le faire avec une petite équipe ce soir. On aura Jonathan qui est avec nous. Salut Jonathan. Bonsoir à tous. Il y a aussi Mathias qui est avec nous. Salut Mathias. Salut. Emeric, bonsoir. Bonsoir à tous. Et enfin, Antoine est avec nous. Salut Antoine. On va commencer donc tout de suite par ce fameux Montpellier-Lyon. Hein. On va débriefer ça tranquillement. Voilà, vous avez sûrement vu le match de buts à 1. Lyonnais. C'était un peu triste. Hein. Ce qui s'est passé hier soir. Emeric, excuse-moi, mais on t'entend. Voilà, merci beaucoup. On va commencer par les tops, hein, quand même, on va essayer d'être positif. Quel joueur vous retenez d'hier? Quel joueur a été le plus en vue pour vous? Mathias? Ben, les entrants, ça, sans doute, entre que ce soit Bard, vu que le delta avec Cornet est plus élevé, ou Cherki avec sa petite louche. Je pense que c'est vraiment les seuls trucs à retirer de ce match, parce que même Aouar, c'était pas terrible. Si peut-être Kakré qui a vraiment survolé et qui était presque inquiétant tellement il était partout. Sinon, ouais, pas grand chose. Toi, Jonathan, c'est qui pour toi les tops? Parmi les tops, je dirais Bruno Guimaraes, quand même, qui a fait une bonne mi-temps et qui a été, sur la première mi-temps, je trouve un des Lyonnais qui a un peu, existé. Après, il y a quand même Kakré, effectivement, qui a été très important et qui, on va dire, nous a maintenus, on va dire, un peu dans la partie. Et après, effectivement, il y a quand même ces deux entrants, Melvin Barre et Ryan Cherki, qui symbolisent un peu l'espoir qu'on a pu avoir sur ces 10 dernières minutes. Emeric, toi, c'est quoi tes tops pour hier soir? Alors, assez étonnamment, je vais quand même parler de Marcelo rapidement. Bon, c'est pas toujours propre dans le sens où il y a des petits coudes, comme d'habitude, dans le dos, etc. Et puis, il y a eu quelques passes longues loupées, mais il a été assez important sur quelques sauvetages en dernière minute, sur pas mal de coups, j'ai trouvé quand même. Il a été intéressant sur ce match. Bien évidemment, Kakré, même si c'est pas son meilleur match quand même. Aouar, ça a été courant alternatif, mais dès qu'il accélère, dès qu'il y a eu un 1-2, quelqu'un lui proposait quelque chose, c'était quand même vachement intéressant. Et puis bah devant, bah rien, comme le match contre Bordeaux, il y a absolument rien. Et puis bon, bah bien sûr, on peut pas ne pas parler de Cherki et de Barre. Cherki, chaque fois qu'il a le ballon, il se passe quelque chose. Barre pareil, qu'il est aussi à l'aise en débordant qu'en rentrant au centre. Et puis, tu sens qu'il a des affinités avec certains et que ça coule avec Kakré et Cherki, que ça redouble. Enfin, il se passe quelque chose quand il est sur le terrain, quoi. C'est clair. Et pour te rejoindre d'ailleurs sur Marcelo, je trouve qu'il a été aussi important offensivement. Hein. Il a fait peur plus d'une fois à la fin de match sur les corners, etc. Et toi Antoine, bon, je pense que ça va être pareil, mais... N'hésitez pas, hein, d'ailleurs, dans le chat à dire vos tops, hein, on en parlera avec vous. On va évidemment, je pense, commencer par les rentrées de Cherki et de Barre. Il y a vraiment quelque chose, hein, qui se passe quand Cherki rentre sur le terrain. On peut se demander légitimement pourquoi il n'est pas titulaire encore. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, les gars? Bah, l'âge, tout simplement. On m'a pas entendu, je crois, Val. Le paramétrage Twitch, comme on a fait plein de tests, qui a sauté, donc voilà, je m'excuse, le micro est réactivé, désolé. Y a pas de souci, vas-y, continue Jonathan, du coup.
Ouais, je disais, bah, malheureusement, c'est sûrement à cause de son âge, hein, qu'on ne le voit pas encore. Alors, ça peut se comprendre jusqu'à un certain temps, parce que c'est vrai qu'on parle quand même d'un jeune de 17 ans, donc on n'a pas forcément l'habitude, et même à l'OL, de l'habitude de voir des joueurs si jeunes et rentrer dans le 11 régulièrement. Maintenant, c'est quand même, voilà, on le voit aujourd'hui, Toko déçoit beaucoup, Dembélé aussi, et là, on le voit sur les quelques rentrées, on se souvient également de son gros match. C'était en Coupe de France, si je dis pas de bêtises, face à Nantes, où il avait été très bon. À chaque fois qu'il joue, il se passe quelque chose. Et là, avec nos offensives, actuellement, il ne se passe rien. Donc, même s'il a quand même du déchet, Cherki, on a quand même envie de le voir un peu plus parce que voilà, il se passe quelque chose, quoi. Et franchement, voilà, on voit qu'on a beaucoup de difficultés dans la zone de vérité sur ce début de saison. C'est-à-dire qu'on arrive quand même à s'approcher de la surface. Mais c'est plutôt une fois qu'on y est qu'on n'arrive pas à aller au but. Donc voilà, je pense qu'un joueur comme Ryan Cherki devrait normalement avoir un rôle beaucoup plus important là sur le prochain match. Mais surtout que tu vois qu'en fait on n'a pas de joueur créateur devant, quoi. On a Memphis qui patauge comme il peut, et puis on en parlera plus tard, mais qui a peut-être la tête ailleurs aussi. Et alors, Kadewere, je pense qu'on peut pas lui demander tout de suite d'être le créateur devant, parce qu'il vient d'arriver, qu'il faut qu'il s'acclimate, plein de choses. Mais et puis Toko Ekambi et Dembélé, c'est pas des créateurs, quoi. C'est pas les mecs qui vont faire la différence. C'est pas les mecs qui sont capables d'éliminer en 1 contre 1, voire en 1 contre 3, quand on prend les situations de Cherki, qui sont capables d'éliminer la défense. Donc en fait, aujourd'hui, c'est ton seul joueur offensif capable d'éliminer, et en qui a pour l'instant jamais déçu. Enfin, j'ai pas à souvenir d'un mauvais match de Cherki, de façon probante. Donc voilà, aujourd'hui, je comprends pas que ce gars-là, bah, tu lui donnes pas sa chance. Tu joues Montpellier, tu joues quand même pas normalement un club qui finit dans le haut du tableau. Donc enfin, c'est pareil, on va voir, on en parlera pour vendredi, mais il y a un moment, ce mec-là, faut lui donner sa chance, et faut qu'il joue plus régulièrement, quoi. Voilà. Bah, je trouve justement que par rapport à son jeu qui est fait de plein de prises de risques, etc., je trouve qu'il a quand même très peu de déchets. Il loupe quand même vraiment peu de choses. Il y a eu des morceaux de match où il loupait une ou deux choses, mais hier, il loupe quasiment rien. Alors que chaque fois qu'il a la balle, bah, il y a chaque fois une élimination ou une passe un peu risquée. Enfin, il se passe toujours quelque chose. C'est vraiment hallucinant. Et c'est sûr que Cherki, l'histoire de l'âge et l'histoire de jeu, on faut pas le griller, etc., c'est des arguments qui peuvent se comprendre pour certains joueurs, mais qui sont largement dépassés pour plein d'autres joueurs. Les mecs à cet âge-là, la plupart du temps, maintenant, en 2020, ils sont prêts, souvent. Ils sont Oui, prêts. Lui, il est prêt physiquement, il est prêt techniquement, bien ah, évidemment. et puis oui, mentalement, il est prêt. mentalement. Jurisprudence, jurisprudence Camavinga, hein. Mais oui, voilà, tout complètement. à fait. Et puis en plus, Cherki, je pense que Joe en parlera mieux que moi, mais c'est un mec qui a, depuis le début de la formation à l'OL, qu'on a appris à frustrer, qu'on a appris à mettre dans des situations compliquées mentalement, à qui on a appris à échouer, à redescendre les pieds sur terre de temps en temps. Donc c'est un mec, même mentalement, il est ultra bien formé. Donc je comprends pas qu'on le fasse pas jouer plus, surtout quand tu vois qui est à sa place. Enfin, aujourd'hui, je pense que Toko Ekambi, par rapport à Cherki, il a pas sa place. Point barre. Enfin, il faut dire les choses. Il est remplaçant. On en parlera Mais tout à l'heure de voilà. Toko, hein, dans les flops, évidemment. On se demandait pourquoi certains jeunes ne jouaient pas aussi. C'est que je pense réellement que Garcia a ses relais et ses lieutenants dans l'équipe et qu'il ne veut pas les bouger. Genre, bon, bien évidemment, Cornet, Marcelo en soi, bon, après, il n'y a pas grand monde qui pousse derrière. Mais Toko Ekambi, je pense que c'est devenu un de ses relais, un de ses lieutenants, et il compte vraiment dessus, et c'est vraiment un de ses hommes forts et un de ses hommes d'influence, en fait, je pense. Ouais, je suis d'accord, et c'était déjà ce qui lui était reproché à Marseille d'ailleurs, hein. Il y avait déjà quelques lieutenants, je pense à Bounassar notamment, et aujourd'hui on le retrouve là, et finalement ça nous emmène à avoir plein de choix qu'on ne comprend pas. On se dit au bout d'un moment, voilà, Melvin Barre, il devrait commencer à plus à jouer, ben, finalement on le voit seulement rentrer. Pareil, Cacré, quand on voit le temps que ça a pris pour qu'il joue, on comprend pas. En fait, si, quand on réfléchit, effectivement, voilà, il y a des joueurs qui normalement ne devraient pas avoir le niveau pour jouer, en tout cas autant à l'OL, et qui se retrouvent titulaires. Donc forcément, ces joueurs-là, ils doivent beaucoup à Rudy Garcia, et quelque part, c'est un soutien pour lui. Et quand on sait qu'il est en difficulté vis-à-vis des supporters, mais aussi même dans le club, je veux dire, il fait pas l'unanimité, Rudy Garcia. Et ben, avoir des relais comme ça, comme tu disais, Emeric, c'est important. Et donc, malheureusement, je pense qu'ici, il faut peut-être pas aller chercher plus loin, quoi. Et si tu fais un parallèle, justement, il est intéressant avec Bounassar.
Ces lieutenants, c'est souvent des mecs qui étaient en crise de confiance, pas aimés par les supporters, ils les récupèrent et du coup, il les fait beaucoup jouer, du coup, ils doivent tout à Rudy Garcia. C'est ce qui s'est passé bah, avec un Cornet qui jouait quand même pas énormément, là, lui a inventé un poste, il lui a même inventé une tactique et une composition entièrement faite pour lui. Exactement. Touzard qui était beaucoup décrié et qui sortait jamais avec lui, donc Cacré avec des miettes. C'est ça, Toko Ekambi qui est beaucoup décrié et qu'on est. Mais il y avait pas mal de supporters pas forcément fans de son transfert, ils le mettent titulaire, du coup, ils doivent tout à Rudy Garcia, comme c'était le cas avec Bounassar, du coup, bah, ils défendront Rudy Garcia corps et âme. Je me demande si c'est pas encore un petit coup diplomatique et politique comme Rudy Garcia sait faire. Bah, surtout quand, quand tu regardes qui est l'agent, si tu regardes un peu qui est l'agent de Toko Ekambi, c'est l'agent de Nicolas Pépé, c'est un Lillois, enfin, voilà, le problème c'est qu'avec Rudy Garcia, genre d'anecdote qui fait que tu quand tu connais le bonhomme, tu dis tiens, c'est peut-être pas un hasard non plus quoi. Enfin, c'est dommage, mais enfin voilà, tu sais que c'est un personnage qui est politique, qui place les joueurs dont les agents s'entendent bien. Enfin, c'est le football Rudy Garcia. On le savait quand il a signé et on constate aujourd'hui quoi. Oui, ça fait partie des entraîneurs qui pensent plus à garder le vestiaire dans leur poche plutôt qu'à avoir du jeu, des performances, alors que techniquement, si tu fais bien jouer ton équipe, il y a des chances pour qu'elle te le rende humainement. Et comme j'ai vu dans le chat, quelqu'un qui parlait d'une pression en interne sur Rudy Garcia, je pense que la seule pression, c'est lui qui veut garder son vestiaire. Et c'est pas, il n'y a pas quelqu'un qui vient lui dire écoute, on a mis 10 millions sur Toko Ekambi, enfin même plus d'ailleurs. Il faudrait le faire jouer à la place de... Ah bah non, c'est sûr. Parce y a clairement, c'est lui qui fait la compo. Avant de passer au flop, on va toucher quand même un mot de la défense, parce que même si on a pris deux buts, je rejoins un peu hein, pour Marcelo, mais un peu aussi pour toute la défense. Je trouve que le trio Anderson, Marcelo, Denayer a bien marché, en combinaison avec Dubois, un peu moins corné. Je trouve qu'il a été moins en vue en tout cas. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette défense et est-ce qu'elle commence pas à respirer un peu plus la sérénité qu'il y a quelques mois? Je dis rarement du bien de Dubois, je vais en dire un peu. Je trouve que c'était pas forcément concluant de lui faire les tirs et coups de pied arrêtés contre Bordeaux. Et là, par contre, je trouve qu'il a été vraiment bon sur les corners, notamment. Assez bien travaillé, souvent dans la bonne zone. Ce qui nous a permis, pas de marquer, mais d'avoir pas mal de têtes dangereuses. D'ailleurs, on dit Marcelo a été bon offensivement. Bon, oui, certes, mais on marque pas, alors qu'il a 4-5 fois l'occasion de marquer. Andersen, encore pire, parce qu'il a vraiment eu des positions ouvertes. Oui, c'est intéressant, la défense à 5 rassure un peu, mais par contre le choix de mettre Denayer en 6 quand on passe à 4, enfin, c'est une catastrophe. C'est sachant qu'on a des mecs au milieu qui sont bons sur le banc et que c'est Denayer que j'aime énormément mais qui nous coûte le but 100 fois le deuxième. C'est oui, parce qu'il est mal positionné, il redescend se positionner dans l'axe et deux autres s'écartent, personne ne sait qui prendre. C'est pas Denayer qui te coûte le but, c'est la composition. Enfin, ils sont paumés les mecs en défense sur le deuxième but. Il y en a pas un qui sait où il doit aller. Et ce qui est scandaleux, c'est qu'entre-temps, t'as eu une mi-temps quand même. Donc t'as eu une mi-temps où tu sais que tu peux recaler tes gars. Tu dis bon bah voilà, maintenant on joue à 10, on joue comme ça, comme ça, comme ça, on recale. Et au final, tes défenseurs sont paumés sur le but. Ils savent même pas où aller. Marcelo, il regarde derrière lui, derrière de dire mais il y a bien quelqu'un qui va faire cette derrière moi. Andersen, il est deux poteaux derrière. Et Denayer, il vient d'arriver, c'est pas qu'il doit prendre au marquage. Donc là, en termes de changement tactique, c'est un flop mais total quoi. Andersen, j'ai trouvé très très passif aussi sur la double action de Delors. Hein, quand mais même. Andersen, cette défense à 3, pour moi, il lui convient pas. Hein. Il est paumé dans cette défense à 3. Ouais, il a quelques lacunes. Je pense que encore une fois, vu que c'est un joueur qui est très bon tactiquement et tout, il peut se permettre d'apprendre à jouer et d'apprendre à jouer bien. Il faut lui laisser encore quelques matchs. Je l'ai quand même trouvé bien plus serein. Ouais, il gagne en solennité. Pour moi, il doit enchaîner. Mais le problème, c'est qu'effectivement, il doit enchaîner. Mais est-ce il doit enchaîner. Il va. En fait, ce qui est bien, c'est qu'il va enchaîner si tout va bien. Donc, à voir dans les matchs à venir. Oui, et puis s'il a aussi autant de pertes de balles et de déchets dans le jeu aussi de relance, c'est qu'à la différence des autres, il a envie de construire et pas seulement de bazarder. Et donc, du coup, vu qu'il y a très peu de mouvements devant lui, malheureusement, bah, du coup, il patiente jusqu'à la perdre, c'est sûr. Hein. Mais je pense que la faute est largement partagée. Et puis, si tu permets, Val, je vais reprendre Jumix7 qui nous parle d'Anderson en disant que c'est un scandale et qu'il faut regretter d'avoir vendu Soleil, qui avait un bien meilleur niveau. Je pense que Joe peut nous en toucher un mot, mais Soleil, tactiquement, il était bien loin du niveau d'Andersen, qui est un des joueurs qui a la meilleure lisibilité tactique à l'OL, quoi.
Ouais, alors je vais répondre à la place de Joe, en effet. Et, Solé, le problème, c'est qu'il a, il avait pas une bonne hygiène de vie. Il y a beaucoup de choses qui fait qu'en interne, ça n'allait pas, même si il a un fort potentiel. En effet, pour le prix qu'on a mis, Andersen, c'est pas normal qu'il soit à ce niveau-là. Après, on lui a pas assez donné sa chance. Dès les premiers moments à Lyon, il a direct été titulaire et au final, ça a pas marché. Je pense qu'il faut encore lui laisser le temps et voilà, comme dit Boya, il faut vraiment le laisser enchaîner. On va partir maintenant sur les flops de ce match, même si je pense que tout le monde est d'accord, on va quand même faire un petit tour de table. Mathias, pour toi, qui sont tes flops de la soirée d'hier soir? Ben, c'est toujours la même chose, évidemment. Les deux de devant. Alors bon, on va pas tirer à boulet rouge sur Kadewere. C'est que son premier match. On sait qu'il a un contexte personnel compliqué en ce moment. Voilà. Donc bon, calmons-nous. Mais par contre, Toko Ekambi, oui, ça, c'est de pire en pire. Enfin, ça, c'est dans la continuité, malheureusement. Et ça ne voit pas en s'améliorant. Et je vois pas comment ça va s'améliorer parce que ça va clairement l'air d'être une erreur de casting et non une mauvaise confiance actuelle. Ouais, Emeric, t'en penses quoi, toi? C'est quoi tes flops? Bah, Toko Ekambi, le souci, c'est ce dont je me souvenais pas, c'est qu'on a payé aussi 4 millions pour son prêt, qu'il y a 4 millions de bonus et 11 et quelques transferts secs, ce qui fait qu'il coûte quasiment 20 millions. Quand tu regardes ton niveau, c'est quand même vraiment problématique. Hein. Il va nous faire sortir la corde de ce rythme-là, Emeric. Ah, mais 20 millions pour un joueur comme ça, c'est quand même d'une tristesse absolue. Hein. Ouais, il est sympa parce que des fois, il prend la profondeur et du coup, il déstabilise un peu un bloc. Ouais, enfin, il est généreux, il fait des courses, mais hein, techniquement, c'est comme une catastrophe, quoi. Dembélé, que j'aime beaucoup, il est pas dedans, quoi. Il loupe tous ses gestes techniques. Il apporte très peu dans la surface en termes d'appel. Il prend peu de ballons, ça va pas, quoi. Depay est rentré à apporter un petit peu plus qu'eux, mais tu sens très bien qu'il est plus dedans. Cornet, c'est pas son pire match. Voilà, je vais pas dire plus. Mais clairement, c'est les deux mecs de devant qui ont été ultra, ultra, ultra problématiques. Antoine, tu penses pareil, toi? Cornet, c'est pas son pire match, d'accord, mais si tu compares avec les matchs où il fait 18 centres, il en réussit un, effectivement, c'est pas son pire match. Maintenant, il a pas le niveau d'un arrière gauche à l'OL, je suis désolé. On peut essayer tout ce qu'on veut, lui faire le système qui lui va. Il réussit bien quand il joue contre City, point barre. Enfin, voilà. Donc, on joue pas City toute l'année. Il apporte rien en création devant. Il fait pas la différence, tu vois, le nombre de fois où il peut centrer en première intention et puis il contrôle et machin, il essaye de déborder, il essaye de venir ras de surface pour faire un centre hors trait qui échoue dans les pieds, il arrive pas à lever un centre, enfin moi tu me diras, franchement je pense qu'on peut compter sur les doigts d'une main les centres qui arrivent au deuxième poteau avec Maxwell Cornet qui centre. Donc Cornet je le mets beaucoup plus en flop que Kadewere, comme tu l'as dit, il y a un contexte et je pense que c'est le mec qui va devoir s'adapter, et moi je crois en Tino Kadewere. À propos de Cornet, il y a quand même une faute partagée entre l'animation offensive, ce que font les deux de devant et même ce que font les milieux, parce que hier quand on regarde Aouar, j'ai l'impression qu'il a pas compris que c'était un 3-4-3. On voit des latéraux qui collent les ailes, il y a aucune permutation entre les 8 et les latéraux et les deux de devant dans les intervalles. Donc au final, c'est juste un 3-4-3 sur le papier, mais en fait, ils sont perdus sur le terrain. Et, et quand on voit des centres ratés, évidemment que Cornet, des fois, il doit la mettre en retrait, il doit la mettre au deuxième poteau, il lève pas son ballon. Mais il y a aussi un nombre de fois incalculable où les appels sont nuls, ou alors il n'y a pas d'appel carrément, et donc il n'a pas de solution. Et Jonathan, toi, tes flops, c'est quoi? Juste pour les deux de devant, je voulais pas charger Kadewere. En fait, je pensais encore à Dembélé, je pensais encore au match de Bordeaux. Kadewere, il a tenté, il prend ses marques et clairement, sa situation personnelle est vachement délicate. Donc non, c'était pas contre Kadewere, c'est clairement Toko Ekambi et à moindre échelle Dembélé qui a peu joué mais peu pesé aussi. Du coup, Jonathan, est-ce que tu nous entends? Oui, t'inquiète pas. C'est parfait. Toko Ekambi, évidemment, qui n'en finit plus de décevoir. Et puis, Garcia, quand même, par rapport à sa composition, qu'on comprend pas, il y a un nombre de joueurs qui n'ont pas un profil, pour moi, adapté et complémentaire avec leur coéquipier. Et puis, globalement, je trouve, c'est que on a vu des choses presque positives sur les 20 premières minutes.
J'ai vu l'occupation des espaces, même des demi-espaces où on fait en sorte qu'il n'y ait pas trop de joueurs dans les mêmes couloirs. Il y a eu des choses assez intéressantes au début. Le problème, c'est que dès qu'il y a un événement qui vient un peu nous bousculer, du type bah, le penalty, quoi, malheureusement, bah, là, on ne sait plus quoi faire. On est en autogestion et là, on sent qu'il n'y a pas de plan B. Et quelque part, bah, c'est un peu ce que doit mettre en place un entraîneur aussi. Il ne se passe pas toujours ce qu'on a imaginé au départ. Donc, faut pouvoir se réinventer. Et là, on voit que l'équipe a beaucoup de mal. Et ce n'est pas sur le premier match qu'on voit ça. On va revenir avant toute chose sur Aouar quand même, parce qu'on en a peu parlé. Il n'a pas été étincelant et il a pris ce carton rouge en fin de première mi-temps. Est-ce qu'il n'aurait pas la tête ailleurs, le petit Oussem? Ouais, on peut quand même parler en flop aussi. J'avais gardé ce petit tweet qui a pas mal tourné hier soir. Je pense que le niveau des arbitres en Ligue 1 est aussi scandaleux que le niveau de l'OL en Ligue 1, tout est dit. Et le carton rouge de Aouar pour moi est scandaleux parce qu'en fait et on y voit les limites de la VAR au sens où en fait quand tu vois à vitesse réelle tu vois qu'il relâche la jambe pour pas faire faute et je pense pas que ce soit une fausse intention, il est dans l'intensité du jeu et si on résume le match de Aouar à son carton rouge, je trouve ça sévère parce que c'est quand même un des mecs qui a essayé de créer. Il subit un peu la compo où tu sens qu'il est paumé, on le met sur son côté gauche, enfin il sait pas trop où il doit se placer, donc il paye le flop tactique de Rudy Garcia. Et je pense pas que ce soit le joueur qui ait le plus la tête ailleurs dans ceux de l'OL. Au sens où on a même vu son entrée ce week-end face à Bordeaux qui apporte quand même quelque chose. Et je pense que c'est pas le joueur qui a le plus la tête ailleurs dans ce qu'on a vu hier. Vraiment. Moi, je suis plutôt d'accord. Je pense que Depay est déjà un peu plus loin dans sa tête qu'Aouar est un peu pénalisé par le fait qu'il y a assez peu de mouvements, assez peu de propositions. Et dès que les mecs ont commencé à combiner avec lui et qu'il a commencé à prendre de vitesse, il a mis sur le cul 3 ou 4 fois Ferry. C'était assez drôle parce que je repensais aux commentaires du type de Peno qui disait, hey, vous voulez mettre Aouar à la place de Ferry, il sait pas défendre. Enfin bon, voilà, Ferry, il a été catastrophique hier. Il était tout le temps sur le cul. Ouais, il jouait hier. C'est vrai qu'il a pas, été très bon, alors que, ouais, pourtant, il est plutôt serein habituellement, faut être très. Oui, il va bien avec Montpellier, il fait des matchs corrects. Ah, mais là, hier, il est fantomatique. Ah bon, puis il se faisait dépasser facilement. Non, je pense qu'Aouar, c'est le mec quand même qui est moins la tête ailleurs, peut-être des trois gros noms. Entre Dembélé, Depay et lui, je pense que c'est le mec qui est encore le plus concerné, je pense. Et Dembélé, je pense pas qu'il a la tête ailleurs, je pense qu'il est déçu. On va en reparler en mercato, mais je pense qu'il est déçu. Et pour moi, c'est pas la tête ailleurs, au contraire. Ouais, on va en reparler en effet. Est-ce qu'on retouche un mot sur Karl Toko Ekambi ou est-ce qu'on parle Ekambi. Ouais, Karl Poto Ekambi en effet. Ou est-ce que vous voulez qu'on parte direct sur l'arbitrage parce que c'est vrai que au final, Toko Ekambi, on a vite fait le tour, quoi. On sait que ça va pas du tout et que c'est pas normal d'avoir mis autant de sous sur cette personne, quoi. Ouais, et puis on peut reparler vite fait de sa sortie médiatique et de son interview assez scandaleuse. Quand on fait ça, après, t'as intérêt d'assurer sur le terrain, quoi. Bah, Puy de Bois le dit très bien avec son expression à lui. Hein. C'est quand tu parles, il faut assumer derrière. Et il a parlé, il a pas assumé. Voilà, hein, c'est tout. Il a ouvert en disant que c'était parce que c'était Neuer qui réussissait pas. Hier, je crois pas que c'était Neuer dans les cages. Hein. Et le but qu'il loupe à la 3e minute de jeu, c'est scandaleux. Enfin. Bah, scandaleux, j'ai du mal à te rejoindre là, Antoine. Ouais, c'était pas un but tout fait quand même. C'est pas un but tout fait, mais en même temps, sur l'action, le gardien est quand même, couvre quand même une très très grosse partie du but. Oui, mais quand tu l'entends, il fait le bon geste. Ouais, mais il fait quand le bon tu geste, l'entends face au Bayern, il marque pas parce que c'est Neuer. Hier, c'est pas Neuer, il marque pas non plus. Donc, en effet, non, mais je suis d'accord avec toi. Mais il ouvre quand même son pied, il fait le geste qu'il faut. Malheureusement, ça fait poteau. Après, c'est quand même à une vitesse assez élevé, le centre de cornet à rater, c'est pas une petite passe, quoi. Ah non, c'est, donc non, j'ai beaucoup de critiques à émettre envers KTE, il n'y a pas de souci, mais sur cette action, je pense qu'il avait fait le bon geste, qu'il avait malheureusement peut-être un peu trop ouvert son pied, mais à cette vitesse, on peut pas non plus, voilà quoi. Mais de toute façon, il y a tellement de choses à revoir avec ce joueur. Et c'est là où je vous rejoins tous. Hein. Il y a tellement de choses à revoir avec ce joueur, que ce soit dans son placement, dans ses dribbles, dans ses passes, dans
On a l'impression qu'il n'est jamais là où il faut, en fait. Bah, la seule fois si où il a été là où il faut, c'est la fois où il se prend un carton jaune pour simulation, le pauvre. Ouais, c'est vrai, en plus, en effet. Simulation qui n'existe pas, d'ailleurs. Il use de malchance, donc il a vraiment rien pour lui, quoi. Non, mais il a rien pour lui, enfin voilà, c'est ça. Ce que je trouve assez surprenant, quand même, par rapport à Toko, c'est que on parlait des joueurs qui ont la tête ailleurs. Quand il est arrivé à l'OL en janvier dernier, il était quand même bien meilleur. Alors, c'est pas forcément un immense footballeur, mais je veux dire, il paraissait quand même un minimum intelligent dans ses choix de passes, dans ses différents choix. Il y a même une période où, heureusement qu'il est là, il nous remet un petit peu sur les rails. Cette saison, il est très très loin du niveau qu'il a pu avoir en janvier-février dernier. Donc il y a quand même un fossé entre, je dirais, les performances qu'il pouvait réaliser et maintenant. Donc il y a quand même une interrogation sur, dans la tête, est-ce qu'il n'y a pas un souci? Et forcément, on relie ça à son interview, mais il y a peut-être qu'aussi il a la tête ailleurs. Alors pas forcément un club, mais... paraît pas hyper concentré pour moi. Qu'est-ce qui pourrait pour vous faire qu'il a la tête ailleurs? Est-ce que pour lui il sent pas bien Lyon ou c'est quoi? Toko Ekambi. Oui. Il a signé son contrat, c'est bon. Il a un contrat qui court jusqu'à quand lui? 2022. C'est pas la mentalité. Antoine, je suis pas d'accord. C'est un mec qui aime bien le ballon quand même. Oui, c'est un mec qui aime bien le ballon. Non, mais non, c'est plus une boutade, Val. Qu'est-ce qui fait qu'il marche pas? Bah écoute, il a. Son niveau, je pense. Son niveau, ouais, c'est ça. C'est un joueur qui. Ça reste un joueur moyen, quoi. Enfin, et puis aujourd'hui, il a pas ce qu'il faut pour être titulaire à. Je m'étais fait la réflexion quand il arrive durant l'hiver là. Il arrive en même temps peu de choses près que Bruno Guimaraes et Tino Cadevere. Et c'était pour moi la preuve ultime du fait qu'il y avait trois personnes qui décidaient du recrutement: Florian Maurice, Rudy Garcia et Juninho. Florian Maurice, c'est Tino Cadevere. Juninho, c'est Bruno Guimaraes. Et que Toko Ekambi, c'est typiquement joueur Garcia à fond, quoi. Et donc je pense que c'est une mauvaise pioche, c'est un mauvais choix d'identification de joueur qu'il nous fallait. Et c'est juste pour faire plaisir à chacun. Que là, ça dit chacun, vous avez le droit de recruter un mec. Enfin, pour moi, ça sent ça, quoi. Quand tu regardes la gueule du recrutement, ça peut être ça. Juste pour réagir quand même, Kadewere, c'est effectivement une piste de Maurice, mais qui a quand même été validée par Juni. Juni l'apprécie bien. Pour le reste, Toko, que ce soit Maurice et Garcia, ils les mettent tous les deux. Donc il y a eu un consensus, je pense, par rapport à là. Et Juni a laissé faire. Effectivement, après Bruno Guimaraes et Juni, mais Garcia, quand même, pour moi, peu d'importance dans le recrutement de l'OL. Mais sur Toko, on va dire que ça coïncidait avec un besoin du recruteur, donc c'est là où ça a pu matcher. Surtout qu'en plus, tu sens que Garcia, il a pas la main sur le recrutement. Quand tu vois ses déclarations sur le recrutement, tu sens qu'il a un peu les boules et qu'il se sent un peu pris au piège sur le sujet du recrutement. Mais... ouais, après, je pense qu'il y a une grosse différence entre cet hiver et cet été, quand même. Parce que cet été, Juninho n'a plus Maurice dans les pattes. Juninho décide de beaucoup plus de choses. Je pense qu'Olas l'a encore plus responsabilisé. Ouais. Je pense que Garcia savait peut-être mettre un petit mot à Maurice, parler un peu peut-être à Houllier ou des choses comme ça. Là, Juninho a beaucoup plus les mains libres et on le sent beaucoup. On va voir avec les arrivées. Attends. Garcia a une grande influence sur les achats. Hein, parce que quand je vois ses pics envoyés en conférence de presse, ça sent plus la détresse. Laissez-moi rentrer dans vos discussions que... non, laissez-moi me barrer. L'accès à des cibles exclusives. C'est sûr, au niveau des départs, ça se sent aussi que Marçal, que Tété, etc., ils partent. C'est des mecs qui étaient titulaires ou directement 12e homme, Marçal, Tété. Hein. Donc on sent bien que Juninho, il prête peu d'attention à ce que veut Garcia au niveau de son équipe, hein, de son effectif. Lui, il veut se débarrasser des mecs qui n'ont pas le niveau. Ce qui est plutôt une bonne idée. C'est bien, c'est qu'on arrive sur le sujet suivant, Val. Ouais, ce que j'allais dire, non, on va parler aussi de l'arbitrage, évidemment, parce que ça a fait débat et de façon très légitime. Est-ce qu'on peut parler de Le Texier comme le seul responsable de cette défaite de Lyon, ou est-ce qu'il y a bien d'autres choses à voir? Non, c'est pas le seul responsable. Il fait pas un bon match. Quand tu reprends les situations à froid, j'aime faire l'avocat du diable. C'est un mec qui a vécu une situation difficile dimanche, parce qu'il c'était l'arbitre de la VAR de PSGOM et qu'on a critiqué ses décisions dans tous les sens. Je pense qu'il a très mal dormi depuis dimanche et qu'il va encore très mal dormir cette semaine.
Et après, les gens disent, ouais, mais tu vois, pourquoi ils regardent pas la VAR sur le pénalty de Dubois? Bah, pourquoi ils regardent pas la VAR? Petit point règlement, il faut pas l'oublier, c'est que pour que la VAR soit consultée, pour qu'il aille voir les images, il faut que les deux arbitres qui sont dans le bus, enfin là, en l'occurrence à Paris, parce que c'était à Paris, soient d'accord sur le fait qu'il y a une erreur manifeste d'arbitrage. Il suffit qu'il y ait un arbitre dans la VAR qui te dit, bah, pff, non, ça peut siffler, et du coup, il regarde pas les images, et on laisse dans son jugement. Donc, lui, dans l'axe où il a peut-être l'impression que Dubois met les mains, ce qui n'est pas le cas. Mais si les deux arbitres dans le car lui disent pas, bah non, c'est bon, y a pas péno, il le laisse dans son jugement. Donc, ça peut se comprendre. Le rouge, comme je disais tout à l'heure, c'est les ralentis, les machins. Ça, c'est le problème de la VAR, c'est qu'au ralenti, t'as pas la même sensation. On voit pas que Aouar relâche sa jambe au ralenti, on voit juste que le contact est haut sur la jambe. Mise en danger de l'intégrité d'un joueur, on a vu des rouges pour moins que ça. Et par contre, là où il y a une erreur manifeste de jugement, c'est sur la simulation, mais là ça va vite. Donc au final, quand tu reprends l'ensemble de son match, nous supporters lyonnais, effectivement, on s'en fout parce que les trois décisions, elles sont dans le même sens. Que les Montpelliérains, on a bien vu quand même que les mecs, ils plongeaient au moindre duel aérien. Ça, on le voit dès le début du match, avec un contact entre Marcelo et TJ Savagnier, de mémoire, qui est sifflé contre Marcelo. Donc voilà, le problème, c'est qu'il a fauté tout dans le même sens. Donc tu dis, bon, bah voilà. Après, il nous siffle le péno, très justement. Il met le rouge, très justement, à Hilton. Mais tu peux pas dire que c'est le seul responsable. Et au final, quand tu reprends à froid, bah, il est pas tellement mauvais que ça. Il est pas très bon, il fait pas un très bon match. Par contre, il est pas ultra mauvais, comme on a pu le dire hier à chaud. C'est pas le seul responsable, déjà, parce qu'il a un camion VAR qui est censé l'aider. Et puis, il y a toujours ce danger de l'analyse où, même si effectivement, moi personnellement, j'aurais mis aucun des deux rouges et aucun des deux pénalties, donc en ce qui me concerne. Oui, donc même si l'arbitrage, je pense qu'il a clairement détruit le résultat hier, mais il n'a pas détruit la manière, et la manière, elle était honteuse. Et ça, c'est ça le danger de l'analyse, c'est l'absence de remise en question. De dire que c'est l'arbitrage qui a décidé, il a décidé du résultat, mais il n'a pas décidé de ce qu'on a vu, et là, clairement, il y a du travail. Avant les deux décisions de pénalty de carton rouge, bon, certains ont vu des choses plutôt intéressantes en début de match. Les 40 premières minutes, pour moi, c'était hyper laborieux et d'une pénibilité à regarder. Enfin, c'était vraiment pénible, quoi. Je me disais, putain, faut vraiment, vraiment, vraiment être passionné et vouloir se faire du mal pour regarder des matchs comme ça. Hein. C'était quand même vraiment pas bon. Je suis assez d'accord avec Antoine sur le Texier. Le penalty, pour moi, n'y est pas. Ce qui peut éventuellement voir les mecs dans la VAR, dans le camion, ce qu'ils peuvent voir, c'est une poussette dans le dos éventuellement, genre une charge dans le dos de l'épaule. Bon, pour moi, il y a vraiment pas du tout péno. Le rouge peut se comprendre à peu près, c'est quand même vachement haut le pied, même si c'est pas. On sait très bien que Aouar, c'est pas un mec vicieux. Et par contre, ce que je voulais dire, c'est que Delors et Laborde, ils sont d'un pénible parce que ils arrivent à se placer, à placer leur corps. Ils sont assez costauds, mais de faire en sorte que les joueurs lyonnais plus grands qui passent pour mettre la tête sont quasiment obligés de faire faute aux yeux de l'arbitre. Pour moi, des fois, il y a pas faute, mais en tout cas, ils sifflent à chaque fois. Ils sont hyper bons là-dedans. Ils savent trop bien faire. C'est impressionnant. Sauf que le règlement dit quand même que c'est celui qui saute pas qui fait faute. Donc normalement, c'est faute contre les Montpelliérains parce que si tu regardes, la plupart du temps, ils ont pas sauté sur les duels aériens en fait. Donc malheureusement, c'est souvent le défenseur qui prend, c'est souvent le mec qui saute qui prend. Je suis d'accord avec toi que c'est totalement anormal, surtout que tu peux vraiment te faire mal si tu passes par-dessus en tant que défenseur. Quand tu vois la différence de taille entre Marcelo et Laborde, si Marcelo il passe par-dessus, il tombe de haut. Hein. C'est tout bête, hein, parce que le duel, si on parle du classico, le duel Paredes-Benedetto qui va pour aller à la tête et Paredes qui fait le dos rond, Benedetto, il peut se... Il peut finir paraplégique. C'est impressionnant. Hein. Donc oui, moi je suis toujours pour celui qui saute, hein, mais après c'est parce que je suis défenseur depuis un petit moment maintenant. On va en terminer hein, sur Montpellier OL. On parlera peut-être de la composition de ce match quand on parlera d'OL Nîmes. On va parler maintenant du mercato de Lyon hein, qui commence et qui continue à toujours agiter les foules, notamment sur Twitter, même quand il n'y a rien, il faut l'avouer. On va parler tout d'abord de ces trois joueurs, Memphis Depay, Oussem Aouar et Moussa Dembélé, qui étaient les... On va dire les trois superstars. On se demande, enfin, je me demande et je vous pose la question, les gars, est-ce que du fait qu'ils voulaient partir,
Est-ce que c'est pas un problème de les voir rester cette année à Lyon, sachant qu'ils avaient des envies de départ depuis déjà quelques mois, voire années, et qui, s'ils restent à Lyon, c'est donc le plan B, voire le plan C, et on les verrait peut-être pas à leur meilleur niveau. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, non, pour moi, s'ils restent, c'est clairement qu'on les a pas retenus, c'est pas le genre de la maison. C'est clair, ce serait du coup un manque d'offres, tout simplement. On sait que à voir pour l'instant, il y a que Arsenal qui est intéressé et ils veulent absolument trade un joueur. Bah, la Juve, non, ils ont laissé tomber. Et pour l'instant, le mercato de la Juve, c'est on ne veut pas recruter, on fait le ménage et on veut des joueurs libres à la limite. Et ils ont des énormes difficultés financières, la Juve. Du coup, il y a aucune entrée. Enfin, ils comptent pas sortir de l'argent et encore moins une somme au-dessus de 50 millions. Donc il reste plus qu'Arsenal. Ils n'ont pas vendu Pjanic pour une fortune, la Juve? Non, 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 c'est un échange avec Romo et un peu de thunes même. Mmh. Non, mais en plus, ils ont très peu de joueurs bankable, la Juve, au final, de mecs avec qui peuvent vendre facilement pour se faire de la thune. Dybala. Dybala, mais là, Dybala, c'est sportif totalement si tu vends Dybala. T'as peut-être un ou deux défenseurs centraux, type Demiral, où tu peux peut-être. Alexandro, peut-être. Hein. Ouais, Alexandro, ça fait un ou deux ans, c'est quand même pas ça le niveau. Hein. Putain, à une époque, il valait 80 millions. Maintenant, si tu en tires 30 ou 40, t'es content. Hein. Non, mais c'est sûr que après, t'as le contexte Covid. Je pense que. Et puis en plus, tu généralises un peu en posant la question pour les trois. Val, je pense que la situation n'est pas la même pour les trois. Autant de pas, il y a Koeman qui arrive à Barcelone. Donc c'est l'occasion ou jamais pour Memphis, lui qui a toujours voulu rejoindre un top club, Barcelone en est un, et il y a son entraîneur qui en a fait la star de l'équipe de Hollande, parce que quand tu parles avec des supporters de l'équipe de Hollande, enfin Depay il est au-dessus de tout quoi, alors qu'il y a quand même t'as quand même un Virgil Van Dijk, voilà je vais y arriver dans l'équipe. Qui est le meilleur défenseur de Premier League, mais non, ils mettent Memphis Depay au-dessus et largement au-dessus. Donc tu te dis, bah, c'est l'occasion pour lui d'aller à Barcelone. Donc effectivement, lui, s'il signe pas à Barcelone, je me fais un vrai souci niveau psychologique, niveau mental pour l'année prochaine. Mais Aouar et Dembélé, le problème, c'est en fait, au-delà de ça, c'est qu'ils ont pas d'offre. Aouar, on lui a vendu, tout le monde a dit, ouais, City est sur Aouar. Donc Aouar, il s'est imaginé jouer avec Guardiola, tu vois, enfin. Je pense qu'à un moment, en tant que joueur, quand on te dit qu'il y a le City de Guardiola qui est sur toi, tu te projettes. Et puis l'offre vient pas. Et puis Dembélé. Parce qu'ils sont satisfaits de Phil Foden, ils vont pas. Et Dembélé, moi, Et puis moi, j'ai Dembélé, j'ai très peur. C'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'on en reparlerait plus tard. Quand les gens disaient Dembélé déçu, Dembélé, en fait, j'ai surtout très peur qu'il en veuille à Rudy Garcia de pas avoir été titulaire pendant le Final 8 et du coup de pas avoir d'offre suffisante. Donc du coup, tu vois, j'ai peur qu'il y ait une espèce de règlement de compte. Et moi, c'est un peu comme ça que j'ai interprété la sortie l'autre jour face à Bordeaux, où il rentre direct au vestiaire. Tu vois, j'ai l'impression que Dembélé, Garcia, si Dembélé part pas, il risque d'y avoir une tension ultra palpable toute l'année, quoi. Ouais, c'est en partie pour cette raison que je mettrais pas dans le même panier Dembélé avec Aouar et Memphis. Dembélé, globalement, ses performances, elles sont vraiment en déclin et ça fait un peu peur même de dire qu'on puisse le garder une saison de plus. Combien il vaudra derrière, on sait pas. Et alors qu'Aouar et Memphis, quoi qu'il arrive, je veux dire, même si jamais il ne devait pas partir, même si je pense que, à mon avis, Aouar risque de partir, même si c'est peut-être un peu plus compliqué, mais je pense qu'Aouar partira. Et même si, admettons, il devait rester, pour moi, il y a aucun problème, parce que ça reste deux compétiteurs, et surtout deux joueurs qui ont encore besoin de se montrer. Aouar, parce que bah il est aux portes de l'équipe de France, il aurait même dû y être. C'est deux joueurs qui ont l'euro à la fin de l'année. Et puis pour Memphis, bah voilà, on sait qu'il a toujours son rêve. Et puis bah même par rapport à la sélection, il a quand même aussi envie de continuer à briller, montrer bah que c'est le patron devant. Donc pour moi, ces deux joueurs, je m'inquiète pas trop s'ils restent. Par contre, Dembélé, effectivement, faut aussi se dire qu'on a recruté Kadewere. Donc normalement, ça devrait presque être lui le titulaire devant. Si on garde Dembélé, ça complexifie un petit peu l'équation. Donc ça me poserait plus de problèmes, on va dire. Ouais, par rapport à Depay, tu disais, Antoine, il me semble, sur les statistiques, avant qu'il se blesse en sélection, tu m'étonnes, ça soit la star, c'était 5 matchs, 6 buts, 6 passes décisives en élimination. Je crois pas avoir déjà vu ça en sélection, c'est juste n'importe quoi, sachant que c'était pas des petites équipes en plus. Il a fait des matchs énormes contre l'Allemagne, notamment, où c'était vraiment impressionnant. Moi, Depay, je me fais pas trop de
je me fais pas trop de soucis de Paille, même s'il part pas et que bon, ça l'emmerderait de pas rejoindre Koeman à Barcelone, parce que le mec est d'une résilience absolue. Il a un mental phénoménal. Ouais, c'est un champion. C'est un champion. Il fait pas un bon match contre Dijon, par exemple, mais il claque quand même 3 buts et il fait marquer un CSC à un mec, alors qu'il vient des ligaments croisés et qu'il a peut-être pas la tête totalement au match. Voilà, c'est que le mec est résilient totalement. Par rapport à Dembélé, je pense que c'est vraiment le. Il y a deux faits. Il y a le fait qu'il y a eu le Covid, la crise sanitaire, qu'il y ait moins de thunes, parce que l'Angleterre dans un mercato estival moyen, un mec comme ça. C'est facilement 40, 50, 60 millions. Après, le souci, c'est qu'il y a pas mal d'équipes qui auraient pu le vouloir, qui ont commencé à reconstruire une équipe type Manchester United. Ils se sont reconstruits une attaque, ils ont enfin mis Martial en pointe et ça marche. Donc, du coup, il y a moins de clubs qui sont en recherche d'attaquants en ce moment aussi. Et puis, il y a moins de clubs qui sont prêts à mettre de l'argent par rapport à la situation sanitaire. Et je crois que c'est Di Marzio qui disait sur Twitter qu'il avait entendu que les directeurs sportifs italiens disaient que le déclin en termes de montants investis dans les transferts, ça va pas seulement être ce mercato, ça risque d'être quelques mercato encore et qu'il y aurait un vrai changement par rapport à ça. Et puis en plus, ce mercato, il y a une difficulté qui est particulière, c'est qu'il y a des équipes qui réattaquent tout juste un peu les matchs de prépa. Tu vois que l'Espagne réattaque tout juste les matchs amicaux, l'Angleterre, le championnat reprend tout juste mais sur un rythme un peu étrange. Enfin, c'est ça aussi, c'est qu'il y a une réalité calendaire qui est compliquée à aborder, qu'on s'était dit qu'en mettant la fin du mercato au 5 octobre pour l'Europe, les équipes auraient le temps de voir. Et qu'au final, d'habitude, tout le monde reprend à peu près en même temps. T'as l'Angleterre qui reprend un peu plus tard, mais tout le monde reprend à peu près en même temps. Tout le monde fait sa prépa un peu en même temps. T'as la Ligue des Champions qui arrive assez rapidement en septembre. Et là, cette année, tout est un peu étalé. Chacun reprend à son rythme. La France a repris avant. Ils ont pas joué. Donc tu dis en même temps que tu prends des mecs qui ont pas joué depuis 3-4 mois, hormis ceux qui ont fait le Final 8. Donc t'as une espèce de calendrier assez patchwork des championnats européens, qui fait que les clubs, ils disent peut-être, cette année, on va peut-être repartir avec la même équipe que l'année dernière, parce que de toute façon, économiquement, on n'a peut-être pas les moyens de faire autrement. Et puis, on peut pas voir où en sont les joueurs, chacun dans leur prépa, chacun avec des prépas différentes. C'est peut-être risqué de prendre un mec qui a fait une prépa plus tôt, plus tard, machin. Donc, l'OL, ils ont tous fait leur prépa au mois de juin, juillet. Pour des équipes qui vont avoir un championnat qui va peut-être pas avoir trop de trêve hivernale cet hiver et tout, c'est peut-être risqué de prendre un mec qui a fait sa prépa en juillet, quoi. Donc, et qu'il n'y a pas eu de vacances depuis la Ligue des Champions. Donc, il y a aussi la réalité calendaire qui fait que le mercato risque vers l'étranger sera peut-être pas forcément très animé. Et d'ailleurs, c'est pas que pour l'OL, hein. Tu regardes que le mercato vers l'étranger, il est pas forcément ultra actif. Sauf effectivement quand tu fais appel à Pinizahavi pour t'aider à placer tes joueurs, quoi. Ouais, l'avantage, c'est que ça peut favoriser les gros panic buy des clubs anglais, là. Un petit West Ham qui fait 3 matchs nuls de suite sans marquer. Je vois plutôt à l'inverse qu'il y a des clubs qui attendent au dernier moment pour faire des propositions en dessous du prix et qui risquent de rafler la mise. Après, moi, j'espère juste que Aulas, son entêtement et son côté têtu, pour une fois, va nous servir. Et le fait qu'il dise non à type une offre à 35 ou 40 millions pour Aouar, à une offre de 15-20 millions pour Depay, et qu'il sache tenir tête, quoi. J'espère qu'il va l'être parce que. Ouais, je suis pas convaincu, mais bon. On verra, on va parler d'un autre cas qui est tout aussi difficile à gérer. C'est le cas de Jeff Rennes-Adélaïde. Tout simplement, qu'est-ce que vous en pensez de ce cas? Est-ce qu'on va le revoir jouer sous les couleurs de l'Olympique Lyonnais? Faut mettre la thune, hein. Ouais, mais ça reste un joueur qui a été quand même acheté assez cher. Donc, on voit que l'OL, je crois, en demandait 35 millions d'euros, ouais, c'est ça. Hein. Donc c'est quand même énorme, en sachant que bon, on peut avoir quand même d'autres départs assez importants, même un peu dans le secteur offensif ou au milieu de terrain. Donc on a quand même pas non plus envie de se dépouiller. J'ai du mal à imaginer un club là comme ça mettre 30 millions d'euros sur Jeff Rennes-Adélaïde, en sachant que bon, Rennes, voilà, ils ont peut-être un peu d'argent, mais bon, peut-être pas à ce point. Et puis globalement, faut quand même pas oublier que c'est un joueur qui sort des croisés, qui a pas forcément encore joué beaucoup de matchs. Donc c'est un joueur qui, je pense, ne va pas susciter un tel engagement au point que ouais, il y ait des offres très importantes. Donc je pense que l'OL n'a pas trop d'intérêt à le brader à 10-15 millions d'euros.
Donc j'ai du mal à avoir une équation dans laquelle en fait Jeffrey Nadi peut partir. Maintenant, il y a que si dans les discussions qu'il y a eu en interne, il y a vraiment voilà un gros conflit. C'est un point de rupture. Mais bon. Mais bon, ça me surprendrait. Puis bon, Jeffrey Nain m'a l'air d'être un joueur quand même qui est quand même pas débile, même si je pense qu'il est très mal conseillé. Donc moi, je pense qu'il va quand même rester. Et Joe, pour toi, la cohabitation est possible si Aouar reste, de garder Jeffrey Nain Adelaide aussi? Bah après, effectivement. Alors après, c'est compliqué parce que Aouar, on parle de peut-être 50 millions d'euros. Jeffrey Nain Adelaide, on parlera peut-être de 20 ou 30 millions d'euros. Donc je veux dire, même si Aouar part pas, je veux dire la vente de Jeffrey Nain Adelaide ne suffira pas à compenser le manque à gagner, quoi. Ouais, mais t'as 20 millions pour Traoré, donc c'est bon. Ouais, c'est à voir. Après, c'est sûr que voilà, si on n'arrive pas à vendre Aouar, effectivement, il faudra aller chercher de l'argent ailleurs. Le problème, c'est que les gars, il reste 3 semaines de mercato, il reste pas non plus une éternité, quoi. Si tu projettes un mercato classique, c'est comme si on était mi-août quasiment. Donc, il va falloir se décider rapidement, et puis il faut pouvoir remplacer rapidement aussi, quoi. Et puis bien viser, c'est-à-dire que pour quel type de compo on recrute. Parce que j'entends dire, dans le chat, on parle de recruter des ailiers, je veux bien, mais si tu joues en 5-3-2 toute l'année, en 3-4-3 toute l'année, à quoi ça te sert d'avoir des ailiers, quoi? Après, moi, je vais poser une question. Je vous vois depuis tout à l'heure répondre de façon positive sur les joueurs, du fait qu'ils vont rester ou non. On va mettre Dembélé de côté, c'est-à-dire que Aouar, on va peut-être retrouver Aouar, Depay et Jira, même si le mercato n'est pas fini. Moi, j'ai une question pour vous, les gars. Est-ce que du coup, on mettrait pas un peu tout ce qui se passe, le 0-0 à Bordeaux, la défaite d'hier, sur le compte de, on est encore dans le mercato, c'est encore le flou, mais à la fin du mercato, les joueurs qui vont rester, ils vont être à 100%, donc on va être mieux. Donc est-ce qu'il y a une jurisprudence mercato pour les résultats de l'Olympique Lyonnais? Oui. Ah non, parce qu'on aura toujours Rudy Garcia. Ce que je veux entendre. Non, je déconne. Non, mais oui, clairement, t'as une jurisprudence mercato, et d'ailleurs, c'est pas pour rien que l'UEFA réfléchissait avant cette crise Covid à arrêter le mercato avant le début des championnats. Tout le monde le dit, tous les clubs l'ont toujours dit, quand tu attaques un championnat et que tu sais pas quel joueur va être là à la J5 ou à la J6, c'est gênant pour le club et pour la prépa du club. Donc oui, il y a aussi une jurisprudence. Maintenant, ça n'enlève pas qu'aujourd'hui le fond de jeu il est ignoble et que c'est pas lié uniquement à l'état d'esprit des joueurs. Et au pire, si t'as des joueurs qui n'ont pas l'état d'esprit, ils jouent pas et tu fais jouer les mecs qui savent qu'ils seront encore l'année prochaine, au moins le temps que le mercato soit terminé. Parce que un Cherki aujourd'hui il a pas d'état d'âme sur le mercato, un Bar il a pas d'état d'âme sur le mercato, il vient même de prolonger. Enfin voilà, mais des mecs comme ça, mais pas des mecs qui ont été ailleurs. Et puis l'excuse elle est pas valable pour un Marcelo qui dit qu'il va rester, elle est pas valable pour un Cornet qui va rester. Donc non, la jurisprudence mercato fait pas tout, même si pour ces joueurs effectivement elle peut expliquer une petite baisse de régime. Et par rapport à, en fait, il y a deux questions par rapport à tous ces départs là. C'est combien on doit atteindre au niveau de la balance, combien on doit être en excédent pour que ça aille bien financièrement, etc. On sait qu'on n'est pas forcément en danger financièrement. Je sais pas dans sa tête, Olas, qu'est-ce qui s'était dit dans la tête, faire un plus 100 millions sur ce mercato ou je sais pas quoi. Je sais pas à quel point on a besoin de vendre, parce que pour moi, un Depay et un Aouar, moi j'aimerais bien, j'y pense que maintenant, j'y avais pas encore réfléchi, je les verrais bien tous les deux dans un 4-3-3 avec un qui est milieu relayeur gauche et un qui est ailier gauche à permuter non-stop, parce que les deux ont la qualité pour être ailier, les deux ont la qualité pour être milieu relayeur, les deux sont intéressants à chacun des deux postes et les deux, on pourrait avoir une complicité technique folle. Je pense que ça pourrait être vachement intéressant. Après, je sais pas si Olas compte encore avoir 30, 40, 50, 60, 70 millions de ventes. Donc, je sais pas ce qui. Le problème, c'est qu'ils ont, ils ont pas de vision sur la gueule que va avoir ta billetterie d'ici la fin de l'année. Parce que tu perds quand même, tu perds 1 million d'euros par match facile de billetterie. Ouais, après, la billetterie, je crois que si je me trompe pas, c'est environ 20% pour l'OL. C'est pas non plus. Moins 20% à la fin d'un bilan sur un chiffre d'affaires à 300 millions, je sais sur lequel. Attention quand même par rapport à ça. C'est 20% quand on avait des revenus Ligue des Champions. Ouais, c'est ça, donc sans Ligue des Champions. L'OL reste quand même le club avec Bordeaux, je crois, qui a le plus gros pourcentage, enfin qui a la plus grosse part de revenus qui est liée à la billetterie. Donc, mine de rien, t'enlèves l'argent de la Coupe d'Europe, t'enlèves une grosse partie de l'argent de la billetterie. T'enlèves l'argent de la billetterie parce que 5 000 personnes, tu fais zéro. Hein.
Voilà, donc concrètement, il y a un manque à gagner qui va quand même être énorme. Moi, je pense qu'on est quand même obligé de vendre au moins deux gros joueurs. Alors, on va peut-être vendre voilà, des joueurs, on va dire, à 15-20 millions d'euros à voir. Mais derrière, il faut qu'on fasse pour moi au moins une grosse vente, voire deux. Parce que si on veut pouvoir aussi recruter et se renforcer avec du Pellistri ou du Paqueta, va falloir derrière voilà, vendre au moins, je pense, pour 50-60 millions d'euros. Quoi. Et ah, la transition, elle est toute trouvée. On va commencer à être un peu plus rapide, les gars, sur le débat, parce qu'il ne va pas nous rester beaucoup de temps. On va parler de Paqueta. On reviendra vers vous, Youssouel et Nermal, là, concernant le système, un 4-4 de Losange. On va en parler juste après, quand on va parler de Noël, OL Nîmes. Tout d'abord, un mot sur Paqueta, les gars, tout simplement. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas d'accord sur cette arrivée? Ça dépendra un peu du prix. Hein. Après, le profil est intéressant parce qu'il est quand même assez polyvalent. Il peut jouer 9,5, un peu sur une aile, un peu relayeur, un peu 10. Et puis, parce qu'il a une facilité technique qui est quand même assez rare, qui pourra avoir des affinités facilement avec des mecs qui parlent le même football. Je pense clairement que s'il se plante à Milan, c'est parce que il y a aucune ligne directrice à Milan depuis un moment, qu'il change d'entraîneur sans arrêt et qu'ils savent pas où ils vont en termes de fond de jeu, en termes de beaucoup de choses, et que je pense qu'il avait peut-être, c'est certainement pas le club idéal pour un Brésilien qui arrive en Europe. On sait que c'est assez compliqué pour beaucoup de Brésiliens qui arrivent en Europe. Si tu arrives dans un club aussi incohérent au niveau tactique, au niveau entraîneur, au niveau de plein de choses, je pense que s'il s'est planté, il n'est pas responsable entièrement, loin de là, je pense. Donc, pour moi, je suis vraiment pour. Après, ça dépend vraiment du prix. Mais pour une vingtaine de millions, je trouve vraiment pas ça scandaleux. Je te rejoins là-dessus pour dire qu'effectivement, que c'est un joueur qui a un profil intéressant, surtout si jamais on doit perdre à War. On est dans ce registre un petit peu de joueur qui peut créer des équilibres par le dribble. Donc ça, c'est important parce que mine de rien, on a perdu Fekir l'année dernière et on l'a pas trop remplacé dans ce registre de joueurs qui sont en mesure de faire des différences en un contre un. Après, bon, je connais pas super bien le joueur. J'ai vu un petit peu ce que ça donnait sur des vidéos, même sur des matchs brièvement. Moi, il y a un truc qui m'inquiète un petit peu, c'est que je l'ai souvent vu faire la touche de trop, en fait. C'est-à-dire que c'est un joueur qui a une grosse capacité d'élimination, mais qui souvent a envie de faire le show. Et derrière, plutôt que des fois d'aller faire une passe à un coéquipier démarqué, il va quand même vouloir porter son ballon ou essayer de dribbler. Et ça peut me déranger un petit peu parce que c'est vrai qu'on a vraiment besoin là de pouvoir accélérer notre jeu et surtout de le rendre beaucoup plus efficace. Donc voilà, petite méfiance par rapport à ça. Maintenant, je le connais pas super bien, je connais pas non plus sa marge de progression. Comme tu disais, Emeric, il n'est pas forcément dans un environnement très propice pour aussi progresser sur ces domaines-là. Donc franchement, ouais, là-dessus, j'ai pas d'avis définitif, mais une petite méfiance par rapport à ce que j'ai pu voir. Ah, après, moi, tu ouais. vois, je suis en train de voir Téléfoot qui sort l'info. Apparemment, c'est déjà où l'AC Milan serait prêt à mettre l'argent. Et du coup, ça va peut-être me dire, bon, finalement, on peut leur filer 30 patates à Milan. C'est que Milan, il voudrait récupérer Wesley Fofana de Saint-Etienne. Donc, si on peut enlever, en plus, un défenseur central à Saint-Etienne en accueillant Paqueta à Lyon... Waouh. Oui, c'est pas faux. Après, voilà, je pense que ça va être en fonction aussi des départs, hein, évidemment, de soit Aouar, soit Jeffrey Adélaïde. Voilà, on a vu que Aouar, il y avait une offre de 40 millions d'euros. Il faudra suivre ça de très près. En tout cas, on a fait le tour hein, pour ce mercato. On verra dans les prochaines semaines, voire tout simplement dans les prochains jours comment ça va se passer. Mais Paqueta pourrait être une possibilité. Hein, on verra ça très bientôt. On va parler de ce match hein, à domicile au Parc OL vendredi soir. Lyon va recevoir Nîmes. Voilà, une équipe de Nîmes qui est pas forcément au mieux en ce début de saison, malgré leurs quelques buts hein, qu'ils ont pu mettre quand même. On va se demander voilà, quelle solution pour ce match, pour réussir à empocher les 3 points. On voit ce 4-4-2, ce 4-4-2 en losange. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez de ce 4-4-2 losange? Moi, bah, c'est mon système préféré, de toute façon, donc je suis pas objectif. Vas-y Mathias. Moi, ce que j'en pense, c'est que on peut tenter toutes les compositions possibles. C'est pas ça le problème. On l'a bien vu sous Genesio. Il y en a eu énormément de compositions tentées et possibles.
Et au final, ce qui restait, c'était que l'animation offensive était mauvaise, l'animation défensive aussi, les coups de pied arrêtés, etc. Bref, c'est pas ça qui va faire l'évolution. Le 3-5-2, il est intéressant parce que il est adapté à notre effectif. Il y a Marcelo, Andersen, même Cornet et Memphis qui sont meilleurs dans ce dispositif. Certes, on a un point faible des latéraux, mais si du coup on passe en 4-3-3, on aura un point faible au niveau des ailiers, donc c'est sans fin. Et surtout, ça, par rapport à la critique du 3-5-2 contre les blocs bas, je pense pas du tout que ce soit pas viable. Et le 3-5-2, d'ailleurs, c'est contrairement aux stéréotypes, ça veut pas dire composition défensive. Hein. D'ailleurs, sinon la Bundesliga serait le championnat le plus défensif du monde, et je pense que c'est loin d'être le cas. Donc c'est pas une question de composition, même si on peut faire des trucs ultra sexy avec ici le losange, avec le 3-5-2, et bon bah finalement il y aura les mêmes défauts sur le terrain quoi. Je vais aller contre toi, Mathias, je suis en doute parce que enfin, moi le 4-4-2, je trouve que. Ouais, moi aussi j'adore, même là ouais, je vois Lucas qui m'arrête. Voilà, je pense que. Il y a un moment, ce 3-5-2, il était adapté quand t'avais. On savait l'animer quand on n'avait pas le ballon. Ah, oui, il faut apprendre à l'animer quand on l'a et c'est totalement possible avec ouais, un 3-5-2. Ça fait 3 matchs qu'on voit qu'on sait pas faire. Enfin, allez, on va sortir l'exception du premier match où tu gagnes 4-1 et parce que t'as un Memphis qui surnage et encore tu prends le premier but, donc ça prouve bien que même ce 3-5-2 défensivement, quand tu prends un premier but face à Dijon, voilà. Et puis tu dis c'est parce qu'il est adapté à des Cornet, à des Memphis, à des machins. Ça veut dire qu'on garde ce 3-5-2 parce qu'il est adapté à Cornet. Je veux bien. Est-ce que tu fais de Cornet ton titulaire arrière gauche? Non. Est-ce que Barre est meilleur dans un système à 4 en défense? Oui. Donc pourquoi est-ce qu'on l'adapterait pas à Barre plutôt? Enfin, tu vois ce que je veux dire, c'est que aujourd'hui il on a adapté aussi avec... à Andersen qui était plus à l'aise, à Marcelo anciennement à Marsal. Oui, mais Andersen il était plus à l'aise parce que Andersen quand il joue, quand il joue en Italie, Andersen il joue pas dans une défense à 5, si? Je crois pas, c'est plutôt 4. Ouais, hein. Il joue à 4, hein, donc il joue avec un autre central. Donc Andersen, il était peut-être pas très à l'aise parce que quand tu l'essayes dans une défense à 4, il a 3 matchs en France, il débarque, c'est un jeune qui est. C'est un jeune, donc enfin voilà, il y a un moment où. On va pas dire, ouais, mais ça rassure machin, ça rassure truc. Aujourd'hui, système de 3-5-2, même en Ligue 1, je vois pas comment tu. Pour moi, il est pas adapté. Enfin, dans 80% de nos matchs, il va pas être adapté. Alors, il sera peut-être adapté face à Paris, quand Paris jouera. À Marseille, parce qu'à Lyon, ils viennent rarement pour attaquer. Enfin, voilà, c'est donc essayons un autre système qui nous permet, face à des équipes, peut-être d'avoir plus de joueurs offensifs, de vrais joueurs offensifs, je te parle. Parce que quand tu joues en 3-5-2 et que tu me dis que Dubois, il peut compter comme un joueur offensif, je suis pas d'accord. Mais là, t'auras le problème des ailiers, ça c'est toujours pareil. Mais t'auras le problème des ailiers. Oui, mais attends, t'auras le problème des ailiers. Quand tu joues Nîmes en face, tu peux quand même te permettre de dire, bon bah. Si on les assomme, avoir un problème avec leurs ailiers à eux quand on joue derrière. Non, nos ailiers. Parce qu'on mais, a un effectif très faible. En 4-4-2, t'as pas d'ailier, c'est pas grave. Tu joues dans l'axe. Tes meilleurs joueurs, ils sont dans l'axe. Même Guimaraes, Kakré, même Fisch, Cherki, tu les mets dans l'axe, ils sont très bons. Donc il y a pas un problème. Tu t'en fous d'avoir des ailiers. Et là, t'auras un problème avec les latéraux. Si t'avais pas de problème d'ailier. Non, mais t'auras un problème en latéraux. Donc si t'as un problème avec tes latéraux, c'est en défense. Et si t'as des problèmes en défense à 4 derrière face à Nîmes, c'est que t'as un sacré problème tout court. T'as pas un problème avec tes latéraux. T'as un problème tout court si t'es en difficulté face à Nîmes. Donc voilà, c'est ce que je veux dire. C'est-à-dire que peu importe la composition, t'auras les problèmes défensifs qu'on connaît, les problèmes offensifs qu'on connaît. Oui, bah le foot, dans ces cas-là, tu défends le foot, c'est en prendre moins que l'adversaire. Non, le foot, c'est en mettre plus que l'adversaire. Donc si tu joues en 4-4-2 comme ça, que t'en plantes 6 et que t'en prends 3, bah moi je te dirais, bah c'est bien, on a gagné 6-3. On avait plus 3 au niveau du goal average. Donc tu vois, plus 3 points et plus 3. 2-3-5-2. Pardon, vas-y, Joe. Je suis assez d'accord avec Mathias. Pour moi, le dispositif, en fait, il est très anecdotique. C'est-à-dire que déjà, par exemple, si on prend l'exemple du 4-4 de losange, en fait, en phase offensive, très souvent, ça devient un 3-5-2, en fait, le 4-4 de losange. Donc, quelque part. Voilà, l'un dans l'autre déjà, voilà. Et puis surtout, enfin, on a déjà eu ces débats sous Genesio, on a eu plein de dispositifs différents. Puis finalement, on constatait déjà que les problèmes y revenaient toujours. Le problème de fond, c'est surtout comment on peut arriver à faire jouer les joueurs à partir d'une position de base, parce que finalement, les joueurs ils conservent jamais leur placement initial. Oui. Voilà, on parle de 3-5-2, mais finalement,
ça fait que ça fait que bouger. Donc après, le problème, il est plutôt là. Et surtout, c'est là où on voit que parfois les joueurs sont perdus dès que les événements se déroulent pas comme attendu. C'est qu'il y a pas de stratégie profonde. Et pour moi, il est plutôt là le problème. Donc quelque part, qu'on joue en losange, qu'on joue en 3-5-2, en 3-4-3. D'ailleurs, on voit le 3-4-3 se transforme souvent en 3-5-2 finalement. On sait pas trop. Ouais, finalement. Ouais, parce que les joueurs savent pas trop ce qu'ils doivent faire. C'est un peu problème. Je pense qu'il y a deux problèmes avec ce 3-5-2. Enfin, il y en a plein de problèmes avec ce 3-5-2. Mais un des problèmes, et c'est Joe qui me l'avait souligné, alors que je pensais qu'il était plutôt à l'aise là-dedans, c'est que Guimaraes, il sait pas trop où se placer parce qu'il aime bien redescendre entre les deux centraux et récupérer la balle. Le souci, c'est que hier, contre Montpellier, je l'ai vu le faire quand même. Donc, du coup, en fait, il y avait quatre centraux. Et donc, du coup, t'avais Aouar et Kakré qui devaient prendre toute la largeur du milieu de terrain à deux. Et du coup, c'est Football Tactique sur Twitter qui montrait qu'il y avait un énorme trou au milieu de terrain. Il n'y avait personne, quoi. Il n'y avait personne. Et c'est un vrai problème. Ah, le nombre de fautes à Kakré qui est collé à la ligne et qui fait signe à Guimaraes de remonter pour combler le trou au milieu, c'est... Et le second problème, c'est que le 3-5-2, parmi les joueurs clés, c'était latéraux. Et les latéraux, c'est peut-être ce qu'on a de plus faible à Lyon. Quand on dit Cornet, ça lui va parfaitement, mais je suis pas d'accord du tout. Il suffit pas d'avoir un mec qui va vite et qui fait beaucoup de courses pour avoir un piston. Ça demande une vraie intelligence de jeu qu'il a pas du tout. Enfin, pour moi, par contre, je suis assez d'accord aussi à la fois, je suis un peu normand sur le coup, c'est avec Joe et Mathias dans le sens où, normalement, c'est pas tellement le système de jeu qu'il va faire, c'est l'animation. Sauf que le souci, c'est que ce 3-5-2, pour moi, il y a des trop grosses faiblesses dans l'effectif de Lyon pour qu'on le fasse. Je suis d'accord qu'il y a des trop grosses faiblesses pour qu'on joue avec des ailiers parce qu'on n'a pas d'ailier. Donc oui, le problème est un peu insoluble et que le 4-4-2, le souci du 4-4-2 losange que j'adore aussi, c'est que ça demande un volume de course énormissime au milieu de côté, au milieu relayeur, si on veut, qu'on n'a pas. En fait, Aouar, il n'a pas ce volume de course. Kakré, éventuellement là, mais sur un côté, ça demande, pour les relayeurs, c'est un enfer le 4-4 de Lozan. Bah, et ressortons la compo sapin de Noël de Carlo Ancelotti aussi. 4-3-2-1. Avec Memphis Aouar derrière 0. L'attaquant, Memphis Cherki derrière l'attaquant. Eh bah, moi, je trouve ça intéressant. Ouais. Non mais enfin ça pourrait être un système où tu combles un peu le problème que tu disais qu'on pourrait avoir avec les latéraux en phase défensive, Mathias. Alors je l'ai pas dessiné là pour l'émission parce que j'y avais pas pensé avant et c'est en vous écoutant que j'y pense. Mais enfin je pense que le 4-3-2-1 te permet d'avoir trois joueurs offensifs devant qui peuvent combiner avec quand même un Memphis qui est plus derrière parce qu'il aime pas trop être en pointe, un Dembélé qui sera seul devant en pointe, ce qu'il préfère visiblement. Et puis tu peux rebasculer avec un système à plus défensif. T'as Guimaraes qui peut redescendre au milieu de tes centraux. C'est peut-être un système qui est plus intéressant, quoi. Ouais, en tout cas, on va conclure ce débat avec la meilleure vanne de la soirée hein, pour Auguste Hoël. Je vote pour le sapin en espérant que ça ne le sente pas trop. Ouais, mais, il est vrai qu'il est... non, sans rire, il est vrai que cette composition peut être intéressante, sachant que voilà, on a beaucoup parlé de Cornet qui est vraiment pas à l'aise. Je pense sincèrement que Léo Dubois dans un retour dans une défense à 4 ne sera pas si mauvais. Il sera plus à l'aise en tout cas, j'en suis persuadé. Après, est-ce qu'il sera bon ou pas bon, on verra à l'avenir. Mais est-ce que vous pensez, juste petite dernière question, on va aller quand même très vite dessus et après on va rendre l'antenne comme on dit. Est-ce que vous pensez sincèrement que Rudy Garcia va changer sa composition vendredi soir? Moi je l'avais dit sur Twitter, hein. On va évoquer des solutions que de toute façon il ne retiendra pas. Donc voilà. Je suis pas aussi, sûr parce que à la différence d'un Genesio. Il a tendance à être assez intelligent pour changer d'avis. Kakré, il a mis un moment, mais au final, il a changé d'avis. Il l'a mis, et il l'a mis pour des sacrés matchs. Hein. Pour le quart de finale, pour le demi-finale de Ligue des Champions, quand même. Donc, je pense qu'il est son côté politique qui est vachement pénible et qui nous exaspère. Il a un bon côté, c'est qu'il sait être démago. Et son côté démago fait qu'il a peut-être mis Kakré au début pour le côté démago. Il s'est dit, tiens,
joue vachement bien, donc je vais peut-être continuer. Et peut-être qu'il va faire ça avec Barre. Il y a moyen que... Il y a Shermoy qui le mette. Bon, en tout cas, on verra ça vendredi. Hein. C'est à 21h au Parc OL, en espérant quand même qu'on puisse ramener les 3 points face à Nîmes. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Merci, hein, merci à tous de nous avoir suivis. N'hésitez pas à follow le Café Commerce, à follow Let's Go sur Twitch et à follow tous les petits copains sur Twitter. Hein, Typhoon, Emeric, Joel69, Kovi, MT... Et moi-même, Valentin Chenard. Je vous souhaite une très bonne soirée à tous. Et puis à la prochaine. Salut à tous. Salut tout le monde. Bonne soirée.